Hey yo les gens, c'est Draxury, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Minecraft Server LM. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter un peu comment le serveur avance, pour vous parler un peu de 2-3 choses, si par exemple, s'il y en a qui veulent rejoindre ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui on va parler ce serveur, et en plus de ça, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. L'abonnement est gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des suggestions de jeux ou des trucs comme ça, surtout qu'en ce moment, j'ai pas vraiment d'idées. On reprend l'année de plus belle. Cette semaine, alors avant de commencer sur Minecraft, cette semaine, avant de faire quoi que ce soit, on va pas faire de trailer, mais je vais me mettre au trailer de film, donc tout ce qui sera nouveau film ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a beaucoup de chaînes qui font ça, mais je veux pas, moi par exemple, comme je vous le dis souvent, que ça soit des films ou des jeux, quand vous faites des trailers ou quoi que ce soit, que ça soit n'importe quel youtubeur, vous avez votre opinion et moi j'ai mon opinion. Donc si par exemple moi je dis qu'il a l'air bien, si vous vous trouvez qu'il a l'air super ou quoi que ce soit, je vais pas vous dire non, ça c'est clair et net et précis. Donc, on reprend l'année sur du Minecraft. Alors, pourquoi je vous dis Minecraft, pourquoi si vous voulez rejoindre? Parce que c'est vrai que sur Minecraft, en ce moment, nous sommes 4. On n'est que 4 sur le serveur à tourner, mais on n'est que 2 à vraiment y aller, à jouer et à construire des choses. Ça commence à... Voilà, ça, le serveur, si vous voulez venir et créer votre petite maison... ce n'est pas interdit. Mais avant de parler de maison ou de quoi que ce soit, si vous voulez faire une maison, alors attendez. Alors oui, il y a beaucoup de chats parce qu'avec les creepers, il vaut mieux avoir des chats. Quand c'est la nuit, c'est un peu casse-couille. Donc on a mis pas mal de chats à droite à gauche. Donc vaut mieux que ça soit comme ça que pas du tout. Alors. Comme vous le savez, il y avait déjà eu pas mal de petites choses pour ceux qui savent un peu. J'avais déjà fait la grange, les trucs comme ça, les enclos. Mon frère a fini les champs. Alors bien sûr, les champs, on les améliorera bien plus tard. Mais pour le moment, on n'est que 4 à tourner. Donc on s'en fait pas trop. Donc il y a déjà des verrues du Nether, des trucs comme ça. L'Amérique est finie. Alors, finie, pas intérieurement. Intérieurement, elle n'est pas finie. La petite ferme, alors elle est finie. Alors on a deux chevals qui sont dans leurs enclos. Alors ce qui serait bien, peut-être que l'autre il pourrait être là, ça pourrait être cool parce que c'est vrai que là il est là. Donc, mais sinon, la grange est terminée, les enclos aussi. Donc, comme vous le voyez, bon, les moutons ont pris encore de la couleur. J'ai encore, me suis encore amusé. Dexter encore tout seul sur sa maison. Nous sommes en train de construire un commissariat, je l'ai déjà dit dans l'un des trucs. Sauf que la prison commence à se faire et le coffre aussi. Alors comme je vous disais, alors on disait coffre, mais le coffre ça sera surtout pour mettre tout ce qui est pierre, bois et puis tout ça. Si par exemple quelqu'un a besoin de minerais importants, bah, par exemple, il pourra y aller. Alors mon frère est en train de faire tout un système pour pouvoir faire un truc spécial pour faire une porte qui s'ouvre correctement, qui soit pas gênante ou quoi que ce soit. Après, donc là, ça a commencé à pousser. Alors, je l'ai dit, alors, je vais me répéter, mais je l'ai dit hier en vidéo, parce que pour vous expliquer, hier j'ai déjà tourné cette vidéo, mais là, celle-là, je la tourne, il est midi 47, et en fait, quand je l'ai regardé, parce que quand j'étais en train de poster, j'étais en train de faire la vidéo que j'ai tournée hier, donc sur Minecraft, je fais, mais c'est bizarre, il y a un truc qui me gêne, parce qu'habituellement, j'écoute le son, machin, j'écoute, bon, il y a quelques lags, il y a quelques bugs, mais pas plus que ça. Et dans ma tête, je me suis dit, mais il y a un truc qui me... Il y a un truc qui me chagrine, il manque un truc. Ouais, je regarde sur OBS, j'avais pas mis le son de ma voix. Alors, 10 minutes de vidéo pour rien du tout. Ghetto.
Alors bah voilà, donc je suis obligé de recommencer, mais bon c'est pas trop grave. Alors j'explique en fait, alors ah bah tiens on a de la chance, on vient de voir la canne à sucre pousser, mais depuis hier la canne à sucre est un peu buggée, alors on sait pas trop ce qui se passe. La canne à sucre pousse moins vite qu'un canard ou quoi que ce soit, alors on sait pas du tout ce qui se passe. Mon frère a changé, alors ici hier à la fontaine, on va s'atteler à ça dans peu de temps. Le pont aussi, on va s'atteler dans peu de temps. Le commissariat pour le moment il est en stand-by parce que pour le moment on n'a pas voilà il manque le dessus mais on sait pas trop si on va faire vraiment un dessus ou soit on va faire juste un toit en pierre en mode toit découvert pour la balade les trucs comme ça. C'est avant tout un commissariat mais c'est avant tout un serveur pour s'amuser donc voilà. Ici c'est ma baraque, donc moi je vois toujours les tailles en XXL, donc mon frère m'a toujours dit hey, Flo, Drac, qu'est-ce que tu fais? Bah je fais ma maison, bah ouais, toujours en taille XXL, donc très grande, très. Alors j'ai, bon pour le moment c'est pas fini, j'ai pas beaucoup d'aspiration en ce moment à cause de 2-3 soucis, mais bon ça c'est pas trop grave. Dites-moi en commentaire comment vous la trouvez, puis bah, si vous avez des idées de bâtiments, de trucs comme ça, ou si vous voulez venir, faut pas hésiter à m'envoyer un message ou quoi que ce soit, faut pas avoir peur, faut me dire voilà, est-ce qu'on peut rejoindre le serveur? Je vous dirai. Alors le truc c'est que comme je l'ai déjà dit dans mon ancienne vidéo, le serveur, on peut accueillir 10 personnes, alors j'imagine que je peux inviter plus de 10 personnes, mais on peut être que 10 sur le serveur. Donc il faudra faire tourner les personnes. Donc faudra être compréhensible avec les personnes. Ok? Donc voilà. Donc là c'est la maison de mon frère. Donc qui est plutôt classe, clairement. Qui est plutôt classe. Alors je vais pas vous la montrer. Ah bah il a tué des pagers. Ok. Donc je vous explique un peu pourquoi il y a un coffre devant. Alors parce qu'on aime bien, vu qu'on essaie de faire. C'est un serveur. Mais avant tout, il y a pas mal de. J'ai un ami qui me disait, ouais, ça serait bien qu'il y ait autre chose qu'une survie, quoi. C'est vrai qu'une survie basique, c'est nul, c'est chiant. Donc, pour plus tard, on fera peut-être. Moi, j'ai eu l'idée de faire un colisée, comme un genre de colisée, où on fera par exemple, des combats de 1v1, des trucs sur des chevaux, des trucs avec des cascades, des trucs un peu, voilà, des bons trucs où on peut s'amuser entre potes et puis tout ça, machin. Donc voilà. Alors ici, alors je vous ai pas dit, mais là c'est la ferme à bois, donc c'est mon frère qui va s'en occuper. Parce que je vous explique un truc. Parce que quand vous arrivez sur le serveur, avant tout, quand vous arrivez, vous n'avez pas vraiment votre nom sur le serveur. Quand vous arrivez, machin, et que vous avez fait pas mal de petites choses, donc des chemins, des ponts, des constructions X, par exemple, si vous avez fait un bâtiment, je sais pas, je sais pas, une église, un colisée, je sais pas, des trucs qui peuvent être importants dans une ville. Alors, important, si par exemple vous nous faites un building de 3 étages, non, ça sert à rien, parce qu'un building, ça servira à rien. Surtout que les gens voudront, la plupart des personnes qui vont rejoindre le serveur peut-être, voudront peut-être faire juste leur maison, donc ça sert à rien de faire un building. Pourquoi? Oh bah ouais, bah t'es fatigué d'acting. Donc voilà, en fait quand vous avez fait quelques petits ajustements, là par exemple moi c'est marqué proprio, donc drague survie. Banque, police, Dexter. Alors, banque, police, hein, faut pas avoir banquier ou policier. Non, non, c'est pour gérer l'endroit en fait. C'est vraiment pour gérer la chose. Et mon frère, Lucas, donc il a pas mis Blue. Alors, ça me dérange un peu. Ferme et bûcheron. Alors, ferme, parce que voilà, c'est lui qui s'occupera de tout ce qui est champ, mouton et tout le tralala. Et bûcheron bah, pour le bois, les trucs comme ça. Ça sera pareil pour ceux qui rejoignent. Par exemple, tout ce qui sera enchantement, tout ce qui sera construction,
il y aura des builders, il y aura des constructeurs, des personnes qui aplanissent, et ainsi de suite. Donc aussi des personnes qui iront dans les mines, qui seront spécialisées dans les mines, qui aiment bien miner, quoi, pas autre chose. Je mets là. Parce que vu qu'il va faire nuit, j'ai un peu peur que les zombies ou les creepers viennent sur moi. Je vais me mettre même à l'intérieur. Donc voilà. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a là? Alors en fait avec mon frère on s'est mal compris. Alors comme vous l'avez vu, au-dessus dans la mairie, il y a déjà une table d'enchante. Sauf que... Voilà. Alors ce qui peut être pas mal, c'est que par exemple pour ceux qui seront dans les bûcherons, les trucs comme ça, pour ceux qui veulent aller miner et puis qui veulent enchanter, ça peut être pas mal d'avoir une deuxième table de craft. Donc, j'ai envie de dire, elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt bien. Là, nous avons notre carrière de pierre. Donc, qui est plutôt, voilà, un peu rustique, mais bon. Voilà, quoi. Oh, bah alors, va te coucher, Drac. Hein. Donc, voilà. Alors, là, c'est pareil. Hein, la mine pour aller en bas. Et le nether, alors on a bien. J'ai fermé moi parce que je l'avais déjà expliqué dans mon autre vidéo. Mais le nether est du genre très caquineur. Hein. Si vous voulez, on peut même aller faire un tour. On va aller faire un tour vite fait. Alors déjà, quand on entend. Alors déjà il y a masse de squelettes comme vous le voyez. On est dans une zone à merde. Et il y a. Alors comme vous. Oh putain, d'accord, je me casse. Comme vous l'avez vu, il y a un ghast. Il y a un ghast juste là, il y a un magma cube. Voilà, c'est laborieux. Donc pour ceux et celles qui vont venir dans le Nether, faudra nous le dire et me dire voilà, est-ce que tu peux enlever les monstres quoi, se mettre en passif, et c'est ce qu'on fait parce que sinon c'est trop compliqué. J'ai même tenté en mode facile, c'est complètement pété. T'as pas l'impression que ça change en fait, que ça soit en normal, en facile, en difficile, c'est la même chose en fait. T'as l'impression que le serveur est réglé de telle façon, à part pour le paisible, bien sûr, ça enlève tous les monstres, mais clairement, c'est pété. J'ai voulu récupérer des bâtons Blaze. J'ai failli perdre ma vie. J'ai mis 5 minutes à récupérer. Voilà. Je crois bien qu'ils sont là. Voilà. J'ai deux bâtons de Blaze et c'est tout. J'ai pas d'autres trucs. J'ai pas d'autres trucs. Or pur. Ah, ça c'est mon frère qui a dû récupérer. C'est diamant. Qui c'est qui a éliminé entre temps? Il y a des trucs que je sais même pas. Alors bon, bien sûr, il faudra à un moment donné ou un autre, bien sûr, faire de façon que on ait quand même des ressources, par exemple des underpearls, des bâtons de blaze, des trucs pas mal machin, pas mal de trucs. Et je pense que le jour où il faudra aller chercher des bâtons de blaze ou autre chose, comme des crânes de wither, si on veut se faire le wither boss. Bah je pense que il faudra se mettre bien correctement en full diams et même je sais même pas si on pourra battre l'Under Dragon parce que l'Under Dragon pour le moment je sais pas où il est. C'est l'une des choses qui me gêne un peu parce que je me dis que déjà autant de monstres, je me dis qu'il doit y avoir masse Enderman dans le machin, donc bon. Donc voilà. Donc voilà. Donc bon, pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à me le dire. Hein, ça fera toujours plaisir de dire, voilà, est-ce qu'on peut rejoindre le serveur? J'ai un pseudo. Alors, faut pas me prendre sur le chou parce que j'ai vu qu'il y en avait un. M'a demandé mon pseudo hein, sur Fortnite. J'espère que tu regarderas cette vidéo, Stéphane. Alors, je connais la personne. Je connais la personne. Mais le truc, c'est que vu que je n'ai plus de micro. Je vais vous dire pourquoi, parce que mon casque a pris des jetons monumentaux
Et il a pris un gros jeton la dernière fois, il est tombé sans le vouloir. Pas sans le vouloir. Je l'ai fait tomber sans le vouloir. Et il est tombé sur le micro. Et depuis, le micro ne marche plus. Donc tout passe par le Discord ou par l'application Xbox One du PC. Donc la plupart du temps, quand vous entendez quelqu'un ou quelqu'un, c'est soit par l'application Xbox One ou soit par le Discord, ou sinon par rien du tout d'autre. Donc voilà. Donc pour ceux et celles qui veulent rejoindre le serveur, dites-le moi. Pour ceux qui veulent rejoindre le Discord, dites-le moi. Pour ceux qui veulent me rejoindre sur Twitch, normalement, alors, changement de programme, normalement, vous allez avoir un live cet après-midi. Quand cette vidéo sortira, je serai en live normalement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et à aller sur ma chaîne Twitch, sur Discord du Twitch, Discord et puis ainsi de suite. Et puis voilà. Et puis demain, The Crew, pas de live par contre, je ne serai pas là. Donc je vais éviter de faire des lives le soir parce que mon voisin, vu qu'il travaille, il se couche de bonne heure et j'ai pas envie de l'emmerder, quoi, clairement. Mais j'espère qu'il va faire la même chose pour moi, parce que sinon ça risque d'être hein, parce que à me dire que qu'à 4h du matin je suis pas couché, il va y avoir des soucis, parce que clairement il m'a dit qu'à 4h du matin j'étais toujours debout. Mais bon, ça voilà, passez une bonne soirée, merci encore pour ceux qui viendront me rejoindre sur le Discord, sur Twitch, et ceux qui regarderont la vidéo du live, merci encore, et on se dit à la prochaine les gens, c'est Draxury. Peace.